Bien, bonsoir Shiro. Salut. Voilà, on est avec Shiro, on est sur Star Citizen et Captain Lalouse ce soir. Je vais conduire son vaisseau. Et oui, il a pas peur. Ah, la porte, putain. Je me suis pris en pleine gueule. Attends, j'ai bien mon casque. Ouais, t'as bien ton casque. Ah, d'accord, ok. Donc cette fois-ci, je crois que je l'ai jamais piloté avant. C'est le Hurricane. Hurricane de quelle marque d'ailleurs, au fait? Anvil. Anvil. Je l'ai pas vu, il y était. Ah si, il y était lors de la convention. Mais j'ai pas trop prêté attention, je crois. Ah oui. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est pour la tourelle centrale, c'est ça? Ouais. Mais je te laisse passer à l'avant, c'est tout okay. À l'avant du vaisseau si tu veux la... Moi je trouve quand même. Tu me disais que ça ressemble. C'était soi-disant un A-Wing. Moi je trouve pas du tout. Je trouve quand même qu'il a une tourelle déjà. Un A-Wing, c'est un vaisseau super léger avec deux lasers et deux missiles à concussion. Basta, tu rien à foutre quoi. C'est tout ce qu'il y a. Et là, je trouve qu'il y a quand même plus de choses. Il y a une tourelle, il y a plus de missiles, plus de lasers. Enfin, plus de. Non, je te parle juste de la forme en fait. C'est ah, la forme. Oui. Tu sais, c'est comme le Hammerhead qui ressemble au vaisseau de Jedi dans Star Wars The Republic là. Hammerhead. Ah oui. Oui, pas faux, mais ça a été plus un autre là qui est en création là avec des ailes asymétriques que je trouvais vraiment lui. Par contre, il ressemblait à un des vaisseaux de le crépuscule de Anakin Skywalker. Alors attends, moteur engine on. On va essayer de faire quelques petites missions quand même. On va essayer, je sais pas, j'avais parlé tout à l'heure de Hearthstone, mais tu voulais peut-être faire quelque chose. Ouais, bah allons directement vers Hearthstone, non? Hearthstone, Oscar. Ok, ça marche, bon. Donc comme je disais, t'as pas peur de me confier ton vaisseau. Allez hop. Oh là, on est par... Port Olissard. Je sais même pas où est-ce que... Attends, faut que je règle... Le trajet. Alors le trajet, on est à Port Olissard et on va... Sur Hearthstone. On aura assez d'ailleurs. Oh ouais, c'est pas très loin. Hearthstone direct ou... Ouais. Quand t'arrives là-bas, pose-toi à Ginny Point, histoire que si jamais on explose, on repop pas à PO. Ah ouais, bonne idée. Ok, hop, je vais me mettre en position. On va pousser un peu les moteurs pour voir ce qu'il y a dans le ventre. Ah, il y a deux gros moteurs énormes. Attends, je vais quand même rentrer le train d'atterrissage. Ouais, j'aime bien en fait la couleur rouge là qui coupe le vaisseau en deux. Ouais. Et toi, dis donc, putain, t'es sacrément équipé, t'as 4 canons en tout, deux de chaque côté de la tête. Ouais, non, mais je l'ai complètement upgradé aussi. Hein. Ah, tu l'as upgradé? Ouais. D'accord. Ah oui, dis donc, Olissard est vachement loin là. Là, j'ai mis le feu. Hein. J'ai mis le feu. Bon, allez, on part sur... On va partir sur Hearthstone. Non, il veut pas. Ah si, c'est. Ouais, 31 millions de kilomètres quand même. Ouais, c'est parti. Après, ce qui est dommage, c'est que plus le vaisseau est petit, plus t'es obligé de mettre des quantum drive qui sont lents. Ouais. Tu veux aller loin. On arrive enfin sur Hearthstone et donc tu veux que on fasse l'émission Call to Arm? Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Te poser d'abord sur Ginny Point, juste histoire de. Bah, d'accord. Pas de souci. Ginny Point, où c'est? Everus Harbor. Ah, c'est peut-être ça. Oui, c'est plutôt Everus Harbor d'ailleurs. Ah, elle est vachement belle cette station quand on arrive par là, on dirait une vraie étoile. Enfin, ça fait... Ou un flocon, c'est... Trop marrant. Avec ces pics là, comme ça. Cet arceau. Ce demi-cercle, même. Donc là, on doit trouver... et appréhender Ken Reynolds. C'est bien ça? C'est ça. Et okay. On commence par lui. Ouais. Histoire de terminer la mission rapidement. Et après, on fait tout le reste. Qui est autour, histoire de gagner de l'argent.
D'accord. Ouais, je peux pas aller sur Ita là. Directement. Super, on se fait scanner quoi. Ça va, on n'est pas des pirates. Mais non, justement, on est des bounty hunters. C'est bon, je peux y aller. C'est qui te disent que tu peux y aller, oui. Ouais, ouais, ce qu'il m'a dit. Enfin, mon anglais n'est pas très très bon, mais quand on me dit go, moi je go. Allez, c'est reparti. On arrive sur Ita. Tu sais que j'ai jamais été la voir, Ita. Cette lune. Sur la planète, j'ai jamais été non plus. On est directement sur le Quantum Beacon. Ouais. Non. Non, non, pas tout à fait. Non, non, j'ai deux sauts, je crois. Bon, bah, c'est un échec de mon pilotage. Hein. On peut repartir. On peut repartir à l'assaut, t'es sûr? Ouais. Putain. Attends, check juste l'état des shields. Si jamais tu vois que tes shields sont à zéro, tu cours. Non, non, ils sont pas trop mal. Ils sont pas trop mal. Par contre, la coque principale a un peu morflé là. Ouais, j'ai ma tourelle qui est en rouge. Ah merde! Tu crois que je peux utiliser des missiles là? Ouais. Attends, mais il faut que tu trouves le bouton. Oui, 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 mais je sais. Je sais plus. Merde, mais avance, tête de. J'ai le throttle à fond et il est à zéro. Shield down, il met alerte, shield down. Mais pourtant, je le vois dans les. Tout en bas non, là. C'est un bug. Ah d'accord. Il y a quoi? Il y avait un cutlass et les autres à côté, c'était quoi? J'ai pas regardé, c'était quoi les autres. J'espère qu'il n'y a pas des M50, parce que ça va être galère à. Non, on peut rien faire là, ils sont trois, je sais pas si le cutlass on va y arriver. On met tout dessus après tout. Il y a combien de bornes là? 10. Il y en a un autre qui est plus près. Le scout là, le scout. On peut peut-être se le faire lui. J'ai enfin touché. Ça y est, on en a détruit un. Ok, pour moi il reste plus que le cutlass. De quoi? Non, mais l'objectif justement c'était de détruire le. Les ZAD, ouais, ah les oui. ZAD en dernier. Ah ouais, bah oui. Mais là, vu la gueule de. Est-ce qu'on s'est pris sur la tronche? Ouais. Ok. Et en face là il n'y a plus rien là. Oh, putain. Oh il prend cher mais moi aussi. Tu crois qu'il y a un mec dans sa tourelle là? Je pense que ouais. Par contre. Ah, il est pas mal là. Si tu peux l'assaisonner là, ça peut être. Yes! Et voilà, et maintenant plus que le dernier. Et où le dernier? Viens là, petit. Putain, je suis passé tout près d'un morceau de carcasse de. Oh, j'ai même pas vu ça. Et on est dans ces 6 heures là. Ok.
il fait un frontal là, non? Ah, j'arrive pas à l'aligner. C'est un boucanier, non? Ouais, c'est un. Ouais. Allez, il est temps de crever, connard. Voilà, il va là normalement. Oh putain. De quoi? On a pas eu de bonus. Putain, elle est morte en fait la station là. Ouais. Elle flotte complètement à la dérive. C'est incroyable. Ah, c'était intense. On repart pour réparer. Ouais. Ça marche. Pourquoi il freine pas là? Allez là! Je suis trop près là. Je peux descendre. T'es sûr là? Ça passe le nez? Ah ouais? Ah ouais, j'avais pas pensé, tu vois. Moi je regarde en vue troisième personne donc. Ouais ouais, c'est ce que je fais aussi. Hop, tac. Alors. Alors. Je descends. Enfin, si jamais tu veux réparer, répare. Ah bah oui, non, on peut pas. Tout est bloqué pour moi. Ouais. Y, regarde ce que j'ai fait. Ça a fait eject. Ça a fait eject. T'as maintenu ou t'as juste. Ah ouais, j'ai maintenu. Bah non. Merde, j'étais éjecté. Bon, on va bien voir l'atterrissage. Je crois que ça va être une catastrophe. Ah, putain. Je t'ai refait le capot et je me suis récrasé la gueule par terre après. Bon, tiens, que c'est moi la prochaine fois, c'est pas moi qui pilote et que c'est toi qui pilote. Et mais il faut que je m'entraîne quand même. Donc je vais peut-être essayer. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'entraîner tout seul? Ben les Vandal Swarm là. Ah non, pitié et tout, mais pas ça. Y'a que ça. Pfff, sa veste elle est horrible, on dirait des feuilles. Ouais. Sinon, bon, bah pas le choix alors. Tu te mets contre les mecs les plus forts du jeu et tu essaies de les abattre. D'accord, bon, ok, bah écoute, on va faire ça pour une prochaine fois alors. Mais ouais, la mission 890 Jump, là ça me tente bien, donc avec plaisir. Bon bah merci Shiro, merci pour le temps que tu m'as accordé. Hein. Et désolé pour ton vaisseau, je te paierai les réparations un jour. Allez, ciao ciao. Ciao.